N'hésitez pas à vous abonner et mettez un pouce bleu. Rejoignez-nous sur TWITCH et le lien en description. Nous devons passer à l'action. Oh merde. Bah vas-y, on va lancer le dégât artificiel quand même. Quand même, on est des noobs, hein. Bonjour, soldat 76. Je suis Athéna. Ah ouais, bah ouais. Je vais vous guider tout au long du programme d'entraînement au combat d'Overwatch. Mais où est-elle passée? Attendez-moi! Salut, ici Tracer. Commençons. Utilisez vos commandes pour suivre Tracer du regard pendant qu'elle se déplace dans la pièce. Excellent. Maintenant, observez Tracer courir jusqu'au centre de la pièce. Me voilà! Passons en revue les bases du déplacement. Suivez Tracer pendant qu'elle se déplace dans le hangar. Continuez à suivre Tracer. Continuez à suivre Tracer. Excellent. Sautez sur la plateforme et passez dans l'autre pièce. Bon, pas besoin du didacticiel. Bienvenue dans la zone multi. Avancez jusqu'à la zone en surveillance. On est cités, les cités. Laissez-moi vous exposer les bases de... Voilà, enfin, je vais pouvoir... Votre portrait est affiché dans la partie inférieure gauche de l'écran. C'est vous, soldat 76. À côté sont indiqués vos points de vie actuels. On est censé faire quoi là? S'ils atteignent zéro, vous mourrez. Votre arme principale est votre fusil à impulsion. Je vais vous fournir une cible. Ajustez votre diagramme au viseur au centre de votre écran. Placez-le sur le robot d'entraînement. Bien joué. Vous pouvez aussi frapper une cible avec une attaque en mêlée. Approchez-vous du robot d'entraînement, visez, puis frappez-le avec une attaque en mêlée. Oh là, mais sur le terrain, trop fort, les ennemis seront peut-être plus difficiles à atteindre que cette cible. Je vais maintenant vous présenter un défi plus intéressant à relever. Comme ces robots d'entraînement, je dois faire quoi? Je dois tirer. Les ennemis sont indiqués par un contour rouge. Blesser un ennemi fera apparaître ses points de vie actuels au-dessus de sa tête. Joli tir. Tire un nombre limité de munitions avant d'avoir besoin d'être recharge. La quantité de munitions disponibles apparaît en bas à droite. On va viser là encore. Le nombre de munitions, vous rechargez automatiquement. Ouais, ça j'ai marqué. Vous aussi rechargez manuellement. Les bases quand même. Bon travail. Voilà pour les bases de votre arme. Nous allons maintenant passer en revue vos capacités. Commençons avec... Je ne veux pas dire, je vais... Veuillez entrer dans la zone en surbrillant. Quand vous avancez, vous pouvez activer Sprint pour courir plus vite. Essayez. Non seulement vous pouvez sprinter, mais vous pouvez également vous soigner avec champ biotique. Pour illustrer cela, je vais devoir vous blesser légèrement. Maintenant, déployez un champ biotique. Des soins vous seront biotique déployés tant que vous resterez dans la zone lumineuse. Notez que vous devrez attendre un court instant avant d'utiliser de nouveau cette capacité. Le temps de recharge est affiché sur l'icône de la capacité. Récupérez tous vos points de vie avec le champ biotique et nous passerons à la suite. Champ activé. Votre fusil est également équipé de roquettes LX. Vous pouvez lancer une salve de roquettes dans la direction visée. Quand les roquettes explosent, elles infligent des dégâts aux ennemis proches. Oui. Essayez-les sur les cibles. Tirez vos roquettes LX sur les cibles. Enfin, laissez-moi vous expliquer en quoi consiste votre capacité ultime, visière tactique. Cette puissante capacité peut changer le cours d'une partie. Les gars, mais il faut d'abord recharger complètement avant de pouvoir l'utiliser. Votre niveau de charge actuel est affiché ici, en bas de votre écran.
Chargez votre visière tactique en infligeant des dégâts au robot d'entraînement. Votre visière tactique. Votre capacité ultime est quasiment chargée. Votre visière tactique est chargée. La visière tactique optimise vos tirs. On sait faire quoi, mon Hack, là ? Jamais leur cible. Maintenant, activez visière tactique et détruisez les robots d'entraînement. Appuyez sur. Tu es dans ma ligne de mire. Ah, ça tire aléatoirement. La dernière étape du programme d'entraînement traite de la capture d'objectifs. On est par là, votre objectif actuel est indiqué par le marqueur de direction. Et attention, le joueur prend action. L'objectif est clairement délimité par un contour la copie, boum. Pour le capturer, tant que vous restez dans la zone, la capture de l'objectif progresse. Votre progression actuelle est affichée ici, sur votre écran. La progression de la capture se met en cours si vous sortez de la zone. Lorsque des ennemis se trouvent dans la zone avec vous, la progression... Vous avez réussi à capturer l'objectif. Comment ça, mon ref? Encore. Ça fait beaucoup là, non? BBO, non. Avant votre prochaine mission, passons en revue quelques concepts importants. Les membres d'Overwatch doivent travailler en équipe pour accomplir leurs objectifs. Vous pouvez changer de personnage dans les salles d'apparition. Comme celle-ci. Affichez l'écran de sélection du personnage pour voir tous les personnages. C'est vrai que les... Ouais, ça veut dire que les gens ils ont chômé. Ah non, ça se trouve, ça a été. Vous pouvez voir des informations sur le personnage sélectionné en appuyant sur le bouton détail du personnage. Je prends qui, moi? Ouais. Vous pouvez voir des informations sur le personnage sélectionné. Chaque équipe, les personnages tanks protègent leur équipe et distraient les adversaires. Veuillez sélectionner un personnage de soutien. Vous avez sélectionné un personnage tank. Les personnages de soutien soignent et assistent leur équipe. Veuillez sélectionner un personnage de dégâts. Je sais pas quoi prendre en fait. Veuillez sélectionner. Les personnages de dégâts mettent la pression et achètent. Regardez ce perso. Only in Unity we will find strength. Vous pouvez voir ces informations. Not on my watch. I understand. J'ai bien reçu que vous m'aviez bien reçu. Merci. Vous pouvez marquer des emplacements en plaçant des marqueurs. Des options supplémentaires de marqueurs sont disponibles en maintenant le bouton de marqueur enfoncé.
Essayez votre arme et vos capacités sur les robots d'entraînement du champ de tir. Revenez ici pour sélectionner un autre personnage. Ok, mort. Non, je suis trop fort. Maintenant, faire une partie d'entraînement contre l'IA. Rejouer le didacticiel ou affronter d'autres joueurs. Bah, lançons une partie en fait. Il a l'air bien. Non, tu sais quoi, on va te faire un autre perso. Ouais, tu prends. Hein. Tools in hand, brain in key. Je sens que je vais bien m'amuser. Moi je vais changer parce que... Nouveau calcul. Only in unity will we find strength. Nous sommes dans une position défavorable. Réparé. Moira avec vous. Système restauré. Je suis sur l'objectif, arrêtez-moi si vous le pouvez. Tête éclatée. Moi, je vais prendre un autre perso. Moi je vais prendre elle.
quelqu'un savait bien c'est quitter la game. Mais c'est bien la là. Préparez-vous à attaquer. Oh, ne t'inquiète pas, je serai juste derrière toi. Reinhardt, pour moi, laisser tomber, ça ne veut pas dire répondre au rappel. Il fallait que je vienne. Ta vie aurait été bien trop facile autrement. Et ça aurait vraiment été dommage. Je suis là. Baldéric disait toujours, ensemble, nous sommes plus forts que... j'ai oublié le reste. Mais c'était tellement inspirant! Allez, j'adore! Attention ici! Surveille cette position! 5, 4, 3, 2, 1. Le combat commence. Capturez l'objectif A. Allez, c'est parti! Le combat est trop fort en fait. Que vous pensez de ça? Je me protégerai. Objectif A, capture. Escortez le convoi. Le convoi est sous ma protection. Waouh, mais je comprends rien, c'est pas prêt ici. Cible réduite en centre. Oh non! Hello mon chou! Bon, voilà. C'est l'heure de sauver le monde! C'est le recul, je crois. Voilà. Dans ma ligne de mire. C'est pas vrai, c'est ce truc. On va passer le mur du centre. Laissez le Kitsune vous guider. Je vais prendre lui là.
Le convoi est en mouvement. Nous allons les écraser. Elle a l'air forte. Ah, on a donné à Yé. Cible réduite en sang. Ouais, il y a des gens qui sont chauds.